Good morning, allez, Iden, les tuches aujourd'hui, le Lonishmat, François Raji Ben Chana, Janine Rude, Bafor, le Mazal Frida, Claude Jourou Ben Shalom, Ishaya Ben Ninda, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Maserhet Brachot, Perek Tet, Mishnah Dalet, Anichnas, Lakrach, Mitpalel Shtaim, Achat Biknisato, Ve Achat Bitsiyato, Ben Azai Omer, Arba, Shtaim Biknisato, ושתיים בסיעתו, ונותן הודעה לשעבר, וצועק לעתיד לבוא. Je traduis directement, et on explique, c'est très simple. Anichnas lakrach, celui qui entre dans une grande ville, c'est une ville fortifiée de l'époque. Comme nous dit le Barthénora, un endroit où il y a, non c'est pas le Barthénora qui dit, c'est Rashi qui l'explique plutôt, un endroit où il y a dedans des gouverneurs dangereux, qui cherchent des problèmes, qui peut facilement faire des problèmes, attraper quelqu'un, le soupçonner de quoi que ce soit, l'enfermer en prison, alors, eh bien, il doit être mitpalel shtaim, il devra prier deux tfilot, achat biknisato, et achat bitsiato, une lorsqu'il entre dans la ville, et une lorsqu'il sort de la ville. Ben Azaï Omer, Ben Azaï nous dit non, arba, shtaim biknisato, ושתיים ביציאתו, ונותן הודעה לשעבר וצועק לעתיד לבוא. Donc, le Ben Azaï me dit non, il ne doit pas faire une bracha lorsqu'il entre, et une bracha, et une tfila lorsqu'il entre, et une tfila lorsqu'il sort, mais plutôt deux tfilotes, c'est-à-dire une tfila composée de deux parties lorsqu'il entre dans la ville, et deux tfilotes, deux tfilotes, c'est-à-dire une tfila composée de deux parties de nouveau lorsqu'il va sortir, et quoi ? Venoten Roda Alechava, il devra remercier Hachem sur ce qui est passé. Vetsoek le Atid Lavo, et crier pour le futur, c'est-à-dire prier pour le futur plutôt. Et Tzaka, hein, c'est prier tout son cœur. Comme qu'il y a un cœur qui prie, qui supplie Hachem de l'aider. Bon, alors on va expliquer de quoi ça parle. C'est simple, on a compris. Il y a un danger d'entrer dans une ville. Imaginez, vous allez partir dans des pays du tiers-monde. Facilement, on peut s'en prendre à vous pour rien. Et faire des alilotes, d'accord? Prendre quelqu'un, le soupçonner de quelque chose, aller savoir où ça peut aller. Donc du coup, il y a un danger imminent. Eh bien, la Mishnah me dit, sache que un juif, il passe pas un épisode sans prier Hachem et sans remercier lorsque ça se passe bien. De ce fait, lorsque tu entres dans la ville, tu devras dire, tu devras faire une fila, que Yehi Ratzon, en plus de la tfila qui doit prier, c'est une prière supplémentaire. C'est comme on fait une tfila taderech. Lorsqu'on va rouler, on doit faire une tfila pour qu'Hachem nous protège. Lorsqu'on va chez le docteur, il y a une tfila aussi à faire. Lorsqu'on prend un médicament, il y a une tfila, il y a une petite tfila, un petit ratson. Alors selon le même principe encore, la Mishnah nous dit, lorsque tu entres dans la ville, il y a des dangers, tu pries Hachem pour qu'il t'aide. Et ensuite, lorsque tu finis, lorsque tu sors, et que tu sors de la ville et que tout s'est bien passé dans la ville, et bien dans ce cas, tu remercies Hachem qui t'a aidé. D'accord? Ça, c'est Anichnas Lekrach Mitpalel Shtaim, Achat Biknisato ve Achat Bitsiato. Ben Azaï, il me dit, non, je veux que tu fasses quatre. C'est-à-dire que, toi, tu me dis, toi, Tanakama, tu me dis qu'il prie pour le futur, et ensuite, il remercie. Moi, je veux qu'à chaque fois que tu vas prier, tu vas remercier et prier pour le futur. Comme il nous dit le Barthénora, que au moment d'entrer, avant d'entrer, il dit « Hachem, aide-moi à entrer ». Une fois qu'il est entré, il remercie déjà Hachem que ça s'est bien passé quand lorsqu'il a passé la première frontière, lorsqu'il est entré dans la ville. Donc, une fila avant d'entrer. Et puis de nouveau, au moment où tu vas vouloir sortir, tu fais une fila avant de sortir, que lorsque tu vas sortir, qu'on ne va pas t'attraper à la douane ou à la sortie de la ville. Et ensuite, lorsque tu as réussi à sortir et que tout s'est bien passé, tu devras de nouveau remercier Hachem sur ce qui s'est passé, d'accord? Là, on apprend une grande règle aussi. Tout ce que tu traverses, que tu as une quelconque épreuve, un quelconque souci, fais une tfila avant et remercie lorsque ça s'est bien passé. C'est un devoir de chaque juif pour vivre Hachem avec proximité. Et pire que ça, c'est possible que une marloquette exactement, c'est quoi le devoir de prier selon la Torah? Est-ce que c'est juste lorsqu'on a un problème? Ou est-ce que c'est juste est-ce que c'est plutôt une fois par jour, c'est quotidien, c'est une marloquette bien connue. C'est-à-dire sur la parasha de Ekev, ou l'ordre de Bechol Levavre, une marloquette entre Rambam et Rashi, est-ce qu'un devoir? Mais quoi qu'il arrive,
selon tous les avis, lorsqu'il y a un danger imminent, il y a ici une chova, une obligation de la Torah de prier Hachem pour qu'il réussisse nos actions et remercier ensuite lorsque ça s'est bien passé. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.